Hey! On va continuer un petit peu sur les poussins à gars. C'est cool ces petites capsules-là, pareil. Je vais en faire une vraiment courte. Là, les psy-hop que j'expose, leur but c'est de me faire passer pour un troll. Fait que ce que je fais, j'enlève l'arme de leurs mains. Je fais moi-même des mimes sur moi qui est un troll. Fait que je tourne en dérision, dans le fond, les accusations qu'ils s'apprêtent à m'envoyer ou qui ont commencé à m'envoyer. Ça les bloque complètement. Puis même quelqu'un qui m'haït va la trouver drôle parce qu'il y en a des pas pires. Fait que c'est un. T'enlever comme. Tu fais une joke sur toi pour pas que les autres puissent le faire. Fait que c'est un bon moyen de bloquer les psy-ops qui vont essayer de me faire passer pour un troll. Fait que. C'est ça. Pour ceux qui me connaissent, vous allez voir les quelques mimes que j'ai fait, que j'ai mis sur mon wall, mais. C'est ça. Tourner en dérision. Le psy-op fait ça des fois aussi. Quand il va avoir un exemple, on va bien s'amuser. Je pense que je vais appeler ça Psy-op Academy. Essayez de pas trop nommer de nom pour pas fâcher le monde, pour pas les bloquer à ce qu'ils écoutent. Ce sera peut-être pas facile, mais je pense que je vais garder ça plus pour Facebook. Ma chaîne YouTube, il y a plus de monde que je pensais qui la regarde, qui n'ont pas rapport au mouvement, ils ne savent pas en tout. Le contexte, parce que moi je parle à une certaine démographie, là, un certain bassin de population qui me connaissent pas mal toutes déjà. Puis je leur donne de la marde. J'éduque un peu, mais je donne de la marde beaucoup en même temps. Puis ça s'adresse pas nécessairement à des gens qui me connaissent pas déjà. Je vais faire des conférences, des choses comme ça, fait que ça va régler le problème. Là, je peux juste m'amuser puis partager de l'information qui doit être partagée. Là, je vais vous montrer ma croix comme toujours. Je pense que c'est rendu un classique. D'ailleurs, la croix portée là. Tout le monde la regarde. Si vous saviez tous les sourires que ça m'apporte et quelques regards de mépris. C'est fun de tester ces choses-là. Amusez-vous. En même temps, c'est un sigil, mon Dieu. Ce serait cool que vous montriez que vous êtes fier. N'ayez pas peur. C'est gênant de faire les deux, trois premières fois. Mais maintenant, je m'arrête en face de toutes les églises. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et là, pour avoir 500 personnes qui passent, je m'en rencontre fou. On s'y habitue. Puis les gens nous envient quand ils voient notre état d'esprit, notre bonheur, notre bien-être. Asti que je délire pareil des fois. C'est ça le super mental, il faut que je m'arrête. Là, j'ai quelqu'un à côté de moi qui m'aiguille, qui me dise. Parce que des fois, je commence des choses puis je les finis pas non plus. Comme l'histoire du vicaire noir qui, avant que je fasse la vidéo. Un vicaire noir, je vais faire un petit hommage ici. J'ai chié sur tous les curés, je disais que c'était de la grosse crise de la bouette. Puis j'étais allé à l'église. Puis cette journée-là, Dieu m'a parlé à travers. J'ai pleuré. Je pleure. Là, le curé qui m'avait jamais vraiment regardé encore, hein, le vicaire est venu me voir. Est-ce que vous allez bien, mon frère? On a discuté, c'était superbe. Depuis, tous les deux ensemble, on va se. S'élever. Il voit que je suis croyant. Au début, je suis tellement croyant que j'intimide les curés, les sœurs. Ils sont là, puis mon Dieu. Ah ouais, c'est ça, là, mon affaire. Ça, il va à fond que ça marche. C'est la seule façon de faire. Maintenant, ils sont obligés de lever de leur jeu d'un cran. Fait que je les ai forcés à s'élever. Je suis en train de changer le monde tranquillement.
Ce curé-là, maintenant, ce vicaire-là, je veux dire, il fait des sermons absolument inspirés et inspirants. Je lui ai dit d'ailleurs, il n'y a rien de parfait. Vos églises ne seront probablement pas parfaites, mais on s'infiltre. Let's take back our cult. Nos lieux de culte. On rattrape nos lieux. On se réapproprie nos lieux de culte. Et que c'est ça, le but de cette vidéo était comment bloquer les psy-ups. Mais je fais toujours un petit peu de gravy. Vous êtes chanceux. Je vous m'aimez de même. Vous m'aimez pas pantoute. Anyway. Fait que enlever, dans le fond, l'arme des gens avant qu'ils nous attaquent. C'est facile à prévoir. Fait que si tu devances, c'est encore mieux. Sinon, si quelqu'un rit de toi, tu ris de toi aussi. Si tu te fâches pas, ça s'arrête là, ils savent plus trop quoi faire parce que ils attendent une réaction puis ils l'auront pas. Très facile à déjouer, c'est toutes des affaires scriptées. Fait que moi je les vois tout de suite, mais lâchez pas, je vous brasse en crisse, mais c'est parce que je vous aime bien. Puis vous êtes vraiment pas du bon bord. On s'amuse bien de notre bord. On a du fun en crisse nous autres. De faire un tour une fois de temps en temps, même si c'est juste sniqué. Faites pas chier, enlevez vos bottes si vous rentrez chez vous. Tout est beau. J'ai rien à cacher, les francs-maçons ont beau venir me voir, j'ai pas peur d'eux autres. Dieu est mon guide, je suis un soldat du Seigneur. Bring it on. Sur ce,